Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Spirit Hunter. Et on s'était laissé, on venait de finir un joli run. On va aller se débloquer le nouveau personnage, bien évidemment, Maxine. Et on a pas mal de runes. Alors, qu'est-ce qu'on améliore comme sort? On peut aller chercher celui-là. Ben non, on n'a pas tué ce qu'il fallait. Il nous faudrait la nouvelle carte, mais on n'a pas assez. On pourrait augmenter notre vie sur tous les héros. La boule de feu est maxée, la lance est maxée. Qu'est-ce qu'on améliore derrière? On joue pas mal la tornade. Hein. Je pense que la tornade pourrait être une idée. Voilà, la tornade va pousser à fond. Mini-boss cactus infernal. Ah mince, on peut pas l'améliorer ça. Et qu'est-ce qu'on joue? Bah la flèche, on a commencé à l'améliorer. Je pense qu'on va pousser la flèche. Voilà. Allez, start run. On va prendre du coup Maxine, the Red Witch. Movement speed increase by 30%. Ah oui, elle a pas de vie. Elle a 40 HP. Elle a pas de vie, mais elle a une très grande movement speed. Et elle a plus de vitesse sur ses sorts. Ah oui, ça va mal finir ça. Ça va vraiment mal finir. Zéro vie. Qu'est-ce qui collerait avec ça? Oui, ou de la réduction de cooldown, bien évidemment. Ouais, là, j'ai pas d'idée. Hein. Bah, je pense que ça va encore être lance ou feu. Comme starter. Hein. Je pense qu'on va même prendre un lance pour avoir une très grosse réduction de cooldown sur la lance. Pourtant, à mon avis, elle survit pas à la deuxième map. En l'état, elle est pas assez améliorée. Je trouve pas que ce soit exceptionnellement rapide en plus comme vitesse. Ah oui, size direct. Bah oui, on va unlock la boule de feu. Hein. Et on va unlock les vignes à la rigueur. Même si c'était pas du tout ce que je voulais. Prendre les vignes. Aïe 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 aïe, je me prends déjà des coups parce que je fais pas attention au hitbox. Oh. C'est horrible, ça va être horrible. Ouais, je suis pas convaincu du build là. Hein. Ok, il y a un marchand déjà. Faut que je réponde à la question, est-ce que je peux rentrer chez le marchand, ne rien acheter et faire exit? Non, ça le détruit, donc je peux pas regarder ce que le marchand a en stock. C'est bon à savoir. On va faire ce qu'on peut. Je suis pas sûr qu'on ira très loin dans le run, mais on va faire ce qu'on peut. Reroll, hein. Là c'était pas... Oh là là, bon, les tornades. On a commencé à améliorer les tornades. Oh les rats, ça va être insane là. Un familier. En fait il faudrait un bonus de régène de vie ou un familier de régène de vie. Ça réglerait pas mal de problèmes. Increase number of tornades. Increase move speed, non, increase damage. Après, on pourrait la jouer full move speed, mais. Number of tornades.
Speed, oui, speed de la boule de feu. Absolument. Mais la boule de feu est trop courte, il me faudrait de la portée d'attaque. Puis the mage cooldown sur les lances. Bon, c'est le premier mini-boss qui va déjà nous dire un petit peu ce que ça donne. Réduire le cooldown des lances encore. On est déjà plus qu'à 2 secondes sur les lances, ce qui est bien. On est déjà plus qu'à 3 PV, ce qui est moins bien. Après, on a eu les vignes, c'était pas fou. Ah mince. Je voulais essayer de passer entre les deux. Bon, mauvais départ. Hein. Mauvais départ, on va en retenter. On va retenter avec elle. Je pense que les lances restaient une bonne idée. Parce qu'elle les a très régulièrement. Il faut que j'aille chercher l'XP très vite. Augmenter le nombre des lances. Voilà, déjà, ça c'est un meilleur start. Augmenter le nombre des lances. Voilà, on est déjà sur un truc plus propre. Augmenter le nombre des lances. Parce que oui, elle a déjà un cooldown très court. Aïe. Mais pas assez. Je pourrais débloquer quelque chose. Débloquer le feu. Le feu qui est une bonne défense. Augmenter le nombre des lances. Allez, on y croit. Il y a un monde où on enchaîne bien les bonus des lances. On va essayer de se faire un peu d'or pour faire des rerolls au besoin. Faut de l'XP absolument. Là, il faut que je génère le plus d'XP possible le plus rapidement. Attends, je peux pas passer à travers ça. Pardon. Et du coup faut pas que je me bloque dans ces buissons. Voilà pourquoi je voulais un reroll. Decrease cooldown, voilà. C'est ça que je veux. On veut réduire le cooldown, on veut augmenter le nombre. Il va peut-être falloir que je pense à augmenter les dégâts parce que là je suis qu'à 4 de dégâts. Ok, réduire le cooldown encore. Ça se goupille beaucoup mieux. Arrête de prendre des dégâts inutilement. Augmenter le nombre. Oh! J'ai du mal à me rendre compte du modèle. De l'argent. Ah zut. Bon bah si, on va prendre le grand X du coup. Ça aura toujours des dégâts qui passent un peu à droite à gauche. Ok, on va chercher un peu d'argent. Allez. On se remet de la vie, on se remet de la vie. On a de l'argent, ce qui nous permettra de faire un roll au besoin. Je pourrais, mais on va plutôt augmenter les dégâts du grand Hex. Comme ça, le Hex peut faire mal quand il faut. Voilà, on s'est remis quasi vous lui. On peut rediscuter un peu. Bon, là, ça va être compliqué. Faut que je défende un point. Elle est pas faite pour défendre les points. Ouais, j'ai pas assez de dégâts. J'ai clairement pas assez de dégâts. Ok, il y a une grosse bombe là.
Attack size, oui. Allez, sors de là. 14 PV, c'est horrible. Il y a un familier. Non, j'allais dire, est-ce que j'ai tué le boss? Non, le boss n'est pas mort. Les tornades, ça pourra toujours repousser un peu certains monstres. Aïe. C'est dangereux de rester sur le familier. Non, ah, je me suis bloqué dans l'arbre. Ah, j'ai du mal ce perso. On va la retenter encore. On peut aller débloquer. Non, mais non, j'allais dire la flèche, mais non. Il n'y a pas autre chose qu'on voulait débloquer. Ça à 120. À 120, on peut aller débloquer quelque chose. Du coup, une nouvelle arme. Allez, on va la retenter. Ou bien je fous le tornade. Start win with an extra twister. Ah, peut-être la tornade, c'est le bon move sur elle. Oui, alors peut-être la tornade qui va dans le bon sens, c'est le bon move. Merci. Ah, et direct un unlock. Pff, ça m'arrange pas ça. On va prendre les vignes. Oh, et encore un unlock. Non mais sérieusement? Aucune amélioration sur la tornade? Non. Ouais, que dalle sur la tornade. Je suis content d'avoir commencé avec les tornades. Ah bah voilà, attack size. Ça va pas être évident à défendre ça. Je suis bloqué dans le décor. On va augmenter le nombre de ces trucs là, hein. À défaut de mieux. On s'est fait un peu d'argent. Encore faudrait-il qu'il serve. Je pourrais l'utiliser en reroll, cela dit. Increase damage. On devrait se faire un vrai run flèche. Je pense que ça se tentera. Mais peut-être pas sur ce perso-là. Bon, les rats là, ça va être le moment de générer de l'XP s'il vous plaît, hein, parce que on n'est pas bon sur les bonus. Increase damage et tornade, voilà, déjà ça c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Increase number, ça c'est bien. Et attack size de la boule de feu, ça sera toujours quelques dégâts supplémentaires pour ce qui s'approche. Aïe, oui, ça c'était sûr. Attack size sur la boule de feu aussi. J'arrive pas à voir ce que je veux. Je veux blinder les tornades, s'il vous plaît. Number, voilà. 5 tornades, ça commence déjà à bien nettoyer un quart de l'écran. Hein. Bon, je suis mort, encore. Mais start, dégueulasse. Là, il n'y a pas d'autre mot. Le start avec rien sur les tornades alors qu'on était parti sur les tornades.
Allez, cooldown réduit, grand X. Tactic increase. Non, je pense que le Twister, y a un truc hein, avec elle. Et du coup, elle commence avec 3 tornades. Bien évidemment, pas du bon côté. Au début, il faut que je suive les tornades par contre. Attaque Sai, voilà, déjà. Oui, en haut, j'allais te le dire, bien évidemment. T'as pas l'impression que je suis bloqué, il faudrait aller vers le bas, number. T'as pas l'impression qu'il faudrait aller vers le bas, là. Il y a du foutage de gueule. Non mais, sérieusement. Bon bah tant pis, hein. Et à ce moment-là, elle décide d'aller du bon côté. Troll des tornades. Réduire le cooldown, oui. Réduire le cooldown, oui, voilà. Là, il y a un start déjà plus propre. On va prendre les lances en support. Voilà, il y a déjà quelque chose de mieux là avec les tornades. C'est quand même mal parti déjà de base, hein. J'étais bloqué dans le muret. Je pense qu'on va la relancer, hein. 5 points de vie. Ou bien il me faut des caisses absolument. Pour essayer d'augmenter mes points de vie. Attack size, voilà. Bon, c'est dommage, je commence à peine à avoir ce qu'il me faut. Ah bon, un cœur. Bon allez, là c'est le moment de générer de l'XP et d'améliorer mes tornades. Oui mais va pas vers les murs de la maison. Regarde en haut là, t'as tout un carton à te faire là. Increase attack size. Voilà, allez, plus gros encore. Voilà, allez, on se met bien. Oui, alors si tu pouvais tuer des trucs vers chez moi là, s'il te plaît. Bah non, bien évidemment. Ouais bon, c'est bon, je suis mort. L'aléatoire des tornades est juste horrible. C'est dommage parce que là, on l'avait bien blindé. Je tente, je l'aurai. J'y arriverai. Bien évidemment, c'est passé sur les monstres. Non mais si t'as pas envie de les taper, tu le dis. Hein. Ok, number. On va pouvoir miner un peu. On prend les lances, comme tout à l'heure. On augmente le nombre des tornades. Bon, là, en nombre, on va être bien. Là, il faudra un peu plus que du nombre. Mais qu'est-ce qui me touche? Oh, les hitbox des fois. Hein. Allez, il faut que je récupère un peu de vie. Que je me sorte d'ici. Augmenter les dommages des lances, c'est pas mal. Parce que les lances sont là en support. Donc ce qui, en gros, ce qui va m'approcher et ce qui va passer les tornades. Des caisses, des coffres, des trucs, voilà. Ok, pas mal d'argent. Un cœur, on se remet bien. Je reste surtout pas vers des murets, on le sait, ça peut être très dangereux. Il y a un marchand juste en dessous. Ça, on peut améliorer.
Aïe. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a des monstres qui passent entre deux tornades. Ok, on va espérer que l'augmentation de la taille des tornades règle le problème de ceux qui passent entre. Alors, je voudrais... Voilà, merci. Je voudrais des cœurs, en fait. Voilà, il y a un début de quelque chose. Je veux juste récupérer un petit peu. Je me fais toucher des fois, je sais pas. Je voudrais juste récupérer un petit peu d'argent. Augmente les dégâts des tornades. Voilà. Oh, il y a un familier là, il y a un familier. Familier et minerai. Par contre, je vais me bloquer. Je vais me bloquer. Si les tornades vont pas où il faut, c'est fini là. Entre les rochers comme ça, ça va être la mort. Tu veux pas mourir toi là qui me suis depuis tout à l'heure hein. Avec un coffre à côté. D'accord, depuis tout à l'heure je croise rien, il y a tout au même avec un marchand. Eh bah non. Non, c'est trop compliqué. Elle a pas de vie. Elle a vraiment zéro vie. Je pense que ça pourrait être intéressant une fois qu'on a débloqué des PV passifs sur l'arbre. Et encore, j'en ai déjà débloqué. Hein. Je pense que de base, elle doit être à 30 PV. Allez, on se retente une dernière. Une dernière en build de feu, allez. Une dernière en étant concentré en build de feu. Hop, damage direct. Sur cette map, il faut du damage. Aïe, mais d'où j'ai été tapé? Faut tout le temps bouger avec elle. Augmente les dommages de 2 sur les lances aussi. Ah voilà, augmente la speed de la boule de feu. Ça sera une bonne chose. Parce que comme c'est un perso qui va tout le temps bouger, il faut que la boule de feu tourne très vite. Parce que sinon il y a plein de trucs qui vont passer. Bon, les tornades. Mais... Mais quand je vous dis, des fois les hitbox sont bizarres, là j'aurais pas dû être touché. C'est dur de savoir exactement les hitbox d'un monstre par rapport à son modèle. Ah oui, non, ça m'arrange pas par contre. Prendre la flèche, c'est pas grave. Quelques runes, on se prend un peu d'argent, un cœur pour se remettre bien, on y est remonté à 38 PV, on y croit. Allez, on bouge. On bouge, on va essayer de trouver des caisses, trouver un peu d'XP, trouver un peu d'argent, trouver un marchand, parfait, du minage. Quitte à perdre rapidement, il faut quand même qu'on sorte avec des bonus. Increase damage de la boule de feu, voilà. Alors par contre j'ai une toute petite boule de feu, il faudrait qu'elle grossisse un peu. Parce qu'elle est trop dangereuse là, elle est trop à mon corps à corps. Oui, bien évidemment. Increase dot speed, increase number des lances. Hop. Bon, au moins on sortira avec quelques minerais. Increase attack size, voilà, c'est ça que je voulais. Ah mince, il y avait un cœur. J'ai pris un dégât en essayant d'aller chercher le cœur. Dot speed, non. Number, oui. Speed, oui.
peut être très intéressant. Il m'en faudra encore un peu de speed. Parfait, un cœur, on se remet un petit peu. Aïe, bien évidemment, il y en a un qui reste vivant et je marche dessus. Mais dégage le rat. Donc, je vous disais que le problème sur la boule de feu, c'est le petit monstre qui arrive à passer entre les tiges de la boule de feu. Voilà, je suis mort. Alors là, je sais même pas ce qui m'a touché. Tant pis. Ce personnage, ouais, non, trop faible en l'état. Peut-être plus tard. Hop là, et ben nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.